Et il ne laissera point aller de plus. Et il ne laissera point aller. D'abord, Dieu va quoi? Dieu va endurcir son cœur. Alors, tu vas réaliser que Dieu, qui fait quoi? Les prodiges, il les fait dans ta main. Pour que tu fasses quoi? Nous avons dit dans le prophète, il y a deux choses qui nous ont Et Dieu a dit à qui? Moïse. À Moïse. Oui. En partant pour résider en Égypte. En partant pour résider en Égypte. Vois tous les prodiges que je vais entamer. Vois tous les prodiges que je vais où? Entamer. Dans oui. Ta main. Ensuite, tu les feras devant Pharaon. Tu les feras devant qui? Pharaon. Devant Pharaon. Alléluia. Les prodiges que Dieu fait dans notre main se fait toujours devant Pharaon. Ça veut dire que s'il n'y a pas de Pharaon, il n'y a pas de. Même si elles sont dans nos mains. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Allons-y. Et moi, j'endurcirai son cœur. Son cœur et il ne laissera point aller de plus. Et il ne laissera point aller de plus. Tu diras à Pharaon. Tu diras à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Israël est mon fils. Mon prédéré. Mon prédéré. Je te dis. Laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Pour qu'il le serve. Pour qu'il le serve. Si tu refuses. Si tu refuses. De le laisser aller. De le laisser aller. Voici. Voici. Je vais périr ton fils. Je vais périr ton fils. Ton prédéré. Moi, ça sort la présence de Dieu. Alors, le thème de mon message, c'est la victoire totale. Tiens, moi, c'est la victoire totale. La victoire totale. Nous sommes dans une position, ou du moins une dimension. Et il est important que notre victoire soit totale. Pas une victoire partielle, pas une victoire moitié, mais une victoire totale. Quand une victoire n'est pas totale, c'est pas véritablement une victoire. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons comprendre la victoire que Dieu nous réserve doit se manifester dans tous les compartiments de notre vie. Que Dieu m'a suscité. Dieu m'a appelé parce que Dieu avait un projet pour son peuple. Alléluia. Dieu avait un plan pour son peuple. Et pour pouvoir établir ce plan, pour pouvoir réaliser ce plan, Dieu a besoin de quelqu'un avec qui il va marcher, quelqu'un qui va utiliser, quelqu'un qui va envoyer, qui va être un instrument de la libération ou de la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un que Dieu appelle. Il y a toujours quelqu'un que Dieu révèle. Il y a toujours quelqu'un que Dieu montre. Il y a toujours quelqu'un à qui Dieu met les choses de façon, je dirais, différente, à marier l'esprit, la conscience et la vie de peuple. Alléluia. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin, la personne que Dieu se
la dépasse à ton dépense. C'est anormal à tes yeux. Mais c'est normal. Alléluia. Parce que Dieu ne verra pas ce qui est à la portée humaine. Sinon, la dépasse à ton dépense. Dieu s'est choisi un homme ou une femme dans ta famille. Oh!
Milliard. C'est pas moi. Hein? Milliard. C'est pas moi. Il est 100 000. Il est 100 000. Est-ce que c'est la merde? Dieu dit non, je vais tomber dans un milliard. Oh, je suis dit à quelqu'un, avant ta mort, tu vas toucher le milliard. Tu comprends ce que tu vas? Tu touches le milliard. Tu touches le milliard. Oh, tu vas confesser dans ta vie. Tu vas parler pour la tête. Ah, le milliard, on va prendre la tête. Il va prendre la tête. Où est passé? Il n'a même pas prendre la tête. Mais qui a eu la tête? Il a eu le milliard. Dieu prend la chose faite. Tu seras déchargé de tes sujets, tu seras déchargé de tes difficultés, tu seras.
pas. Laisse Dieu parler. Ne trompe pas. Il y a des gens qui ne font pas des choses qui se sont complexés. Ne sois pas complexé. Regarde ta vie parce que tu es vivant. Et que tu as les yeux, tu as la bouche, tu as les oreilles, tu as les membres complets. Tu peux sortir, marcher, danser, courir. Mais il y a des gens qui n'ont pas les pieds. Il y a des gens qui n'ont pas les yeux. Il y a des gens qui sont muets. Alors bénis Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Et la grâce de toi, de pouvoir avoir tout le temps et les sens au complet. C'est déjà le premier miracle de ta vie. C'est déjà le signe que Dieu n'a pas encore fini, que tu n'as rien avec toi. Oh Seigneur, ma vie. Oh Seigneur, quel est-ce qui sont à l'hôpital? Là, tout le monde est bourré. Ils ont fait le bouquet de l'oxygène. Il a fait la nuit, mais il dit on ne peut plus rien faire. Pendant qu'il est ici encore, peut-être qu'on ne peut plus rien faire. Pendant qu'ils sont là encore, peut-être qu'on ne peut plus rien faire. Pendant qu'il a sollicité tous les grands médecins autour, au sujet de son lit, on dit on ne peut plus rien faire. Mais je vais te parler de toi, à qui tu as fait la grâce, pour qui on peut toujours faire quelque chose, pour qui on peut toujours faire un miracle, pour qui on peut toujours apporter une visitation, pour qui on peut toujours apporter une gloire. Lui, je parle de toi, on ne peut rien faire des autres, mais pour toi, pendant que tu es ici, on peut toujours faire quelque chose pour toi. On te vit dans un million de barrières. Va! Va à ton témoignage là! Que les gens vivent de toi! Va! C'est un sujet de prière du soir. Le jour où tu auras béni, nous dirons tous, la sœur, vraiment, Dieu a agi dans sa vie. Où la puissance commence. N'aie pas honte, mais affronte le problème de devant toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moïse, le deuxième problème qu'il avait, c'est que Moïse n'avait pas une armée. Il n'avait même pas le chemin pour pouvoir se défendre. Pour aller combattre Pharaon sur l'armée, pour pouvoir le garder. Pour diriger Israël. Moïse n'avait pas d'armée. Quelqu'un d'autre? Mais Dieu dit, va libérer mon peuple. C'est quel combat ça? Allez, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'a choisi pour aller diriger ta famille. Et ta famille que tu vas diriger, il y a longtemps qu'elle est sous l'oppression de la sorcière. Il y a longtemps qu'il faut en sauver. Quelqu'un m'entend? Ils font peur. Mais n'aie pas peur. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, tu qualifies. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Mais Dieu t'a dit ce qu'il a fait. Et si quelqu'un n'a pas encore qualifié, je vais te rassurer. Donc Dieu n'a peur qualifié. Dieu n'a peur qualifié. Il Moïse, allez là encore. Moïse, Seigneur, c'est compliqué ce qui est difficile. Je ne peux pas, non seulement je suis seul. Et de Dieu, je ne peux pas l'armée. Je n'ai même pas d'outils pour aller accomplir la délivrance. C'est qu'il est là, c'est qu'on a mis en ouvrage. Parce qu'à partir du moment qu'il est ignorant, il refuse de comprendre qu'il
Yeah.
mais il n'y a pas ton Dieu. Moïse n'avait pas changé de nom à la croix.
pour une nouvelle manifestation. Il a dit. Alléluia. 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 Tu as quelque chose que tu dois utiliser. Ne porte pas. Dieu te donne la puissance. Par la puissance de la prière. Dieu ne doit plus de lève-toi et pas. Et présente-moi les grands parents. Présente-moi les gens qui sont parmi les grands hommes. Présente-moi les parents. Dis-le. Laissez ma vie tranquille. Laissez ma famille tranquille. Laissez les enfants tranquilles. Rien ne restera sur le diable. Rien ne